La spécialité de la maison, c'est le pâté en croûte au foie gras. Dans les trois bouchons Viola, on en sert près de 300 parts par jour. Car Daniel et Denise a une histoire bien lyonnaise. Il faut savoir que cette maison, avant que ce soit un restaurant, c'était une charcuterie. Toujours un lien. Cette recette, le chef l'a élaborée en 2004. Le succès a été tel que 5 ans plus tard, Joseph Viola a été couronné champion du monde de pâté en croûte. Mes lichettes de noix de veau, je les mets au fond de mon pâté. Pourquoi ? Parce que ce sera le fond va commencer à cuire avant le milieu. Ce foie gras, il est placé au milieu de mon moule à pâté en croûte. Parce que c'est la partie qui doit être la moins cuite. Il va passer 45 minutes au four avant d'être tranché. Une recette millimétrée. On voit bien la farce, les lichettes de veau ici et là, refarce, le foie gras, les riz de veau et la gelée. Vous voyez, on est sur plusieurs étages. Et donc le foie gras, vous voyez, tel que vous le voyez, il n'est pas trop cuit. Il n'est même pas fondu. Nous voyons aucune trace de graisse de canard. Et là, je dis qu'on a fait un travail qui est assez fabuleux.